안고 있죠? អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសហការនិងផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមសាមិត្តវិនិយោគមុខតំណាងដើមរឹងរដ្ឋប្រពៃណីដើម្បីបន្តការដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុសហប្រតិកម្មរួមសូមជឿ Merci Monsieur le Président. Bon après-midi à vous ainsi qu'à toutes les personnes présentes. Je vais donc continuer dans cette politique relative aux coopératives et aux camps de travail. Ce matin, j'ai évoqué un des éléments déterminants qui était un des objectifs qui était d'augmenter la production. Et je voudrais maintenant m'arrêter sur le second objectif qui a déjà été évoqué par messieurs les coprocureurs. Et qui est de dire que les coopératives permettaient de contrôler et de détecter les ennemis. Donc je vais commencer par lire le document, évoquer le document D22/2751. Il s'agit d'une partie civile qui était à ce moment-là située à Takeo. Les ERN de ce document sont les suivants 00 89 96 3 9 en français 00 87 3 6 7 7 en anglais et enfin en khmer 00 55 6 1 1 8. La citation est très courte et cette partie civile dit notamment, je cite, « Là-bas, ma famille et moi-même étions constamment appelés le peuple du 17 avril. Nous étions contraints de travailler plus dur que le peuple de base, entre guillemets, peuple de base, et recevions moins de nourriture que ce dernier. » Je voudrais ensuite évoquer la constitution de partie civile D22/1242, ERN en français 00 90 6 2 2 5, en anglais 00 89 1 2 1 4 et en khmer 00 52 3 3 7 9. Il s'agit d'une partie civile qui était à ce moment-là située à Kampong Chnang et qui dit ceci, je cite, quand une personne était malade et ne pouvait pas aller travailler, les Khmer rouges disaient qu'elle était malade de la tête. Au moment du repos du soir, le chef des miliciens a contrôlé toutes les maisons, les unes après les autres. Il a confisqué tous les biens personnels, tels que les montres, de l'argent, et a cherché à connaître notre passé, notre profession, sous le régime de l'ordre. Fin de citation. Un peu plus loin, cette partie civile indique ceci. Ceux qui ont été évacués ont été appelés les gens du 17 avril et ont été observés à chaque instant. Je vais ensuite évoquer la déclaration de partie civile D22/143. Il s'agit d'une partie civile qui se trouvait à Kampong Thom à ce moment-là. ERN français 00 89 8 3 4 7, anglais 00 40 2 9 4 9 et Khmer 00
3, 6, 5, 3, 7, 7. Et cette partie civile fait référence au terme utilisé par les Khmers rouges pour définir certains ennemis, des termes qui ont été évoqués par messieurs les coprocureurs, comme mentionné dans l'étendard révolutionnaire ou d'autres documents officiels du régime. Cette partie civile dit ceci, je cite, « Si quiconque se montrait paresseux, les Khmers rouges le torturaient et l'accusaient de s'opposer à l'Ankar. Dans le même objectif, je vais citer la déclaration de la partie civile D22/147 qui se trouvait alors à Svei Rieng, ERN en français 00 89 6 8 1 7, anglais 00 40 29 61, et Khmer 00 36 86 82. Cette partie civile dit ceci. Madame Neang, la femme de mon oncle Kaop Leang, m'a dit que son mari avait souffert de malnutrition et de diarrhée. Ne pouvant pas travailler, il a été accusé d'être paresseux et n'a donc pas reçu de médicaments. Il en est mort au marché de Khor Ang. Enfin, toujours sur ces termes utilisés dans la politique Khmer Rouge, je voudrais évoquer la constitution de partie civile D277/8, ERN en français 00 42 41 36, anglais 00 38 47 87, et Khmer 00 37 55 48. Il s'agit d'un procès verbal d'interrogatoire par les juges d'instruction. Et cette partie civile dit ceci, je cite, « J'ai été maltraité quand j'étais malade. Les Khmers rouges n'ont pas cru que j'étais réellement malade. Ils m'ont accusé d'être une paresseuse. J'ai alors été puni. » Je voudrais ensuite évoquer la constitution de partie civile D22/2011, une partie civile qui se trouvait alors à Pursat, ERN en français 00 9 00 237, anglais 00 8 9 36 8 9 et 9 0, et Khmer 00 5 4 1 7 7 0. Et cette partie civile dit ceci. Durant la période de repiquage, les soldats et les miliciens Khmers rouges surveillaient constamment les habitants déportés au village de Bak Rod, car ils étaient considérés comme le peuple du 17 avril. Ils continuaient à déclarer que ceux qui étaient fonctionnaires, commerçants et étudiants devaient leur dire la vérité pour pouvoir reprendre les mêmes fonctions. Au fur et à mesure, les anciens fonctionnaires sont partis et ils ne sont jamais revenus. Je voudrais enfin évoquer
la partie civile D22/2014-A, ERN 00903104 en français, anglais 00089-9065 en khmer 00580736. Et toujours sur ce sujet du contrôle et de la détection des ennemis et des critères de la définition d'un ennemi, cette partie civile dit ceci, je cite, « Quand j'habitais dans la commune de Chey, district de Chuk, province de Kampot, j'ai été convoqué à une réunion dans la pagode de Damnak Trahun, district de Chuk, province de Kampot. J'y suis allé. C'était peut-être en 1977, quand j'ai participé à cette réunion-là, on a demandé à tous les participants de regarder un homme et deux femmes qui avaient manqué aux règles de conduite morale. Tous les trois étaient attachés et les Khmers rouges nous ont dit de ne pas prendre exemple sur eux car ils allaient les tuer tous les trois. Je voudrais maintenant passer à un autre objectif de cette politique des coopératives et des camps de travail qui était un objectif d'élimination de la sphère privée et de développement d'un régime collectiviste. Je voudrais évoquer maintenant la déclaration de parti civil D22/1644 à l'ERN en français 00089-5187, anglais 00089-12-47-48, khmer 00-53-23-47. Cette partie civile évoque les divisions de la famille par des catégories particulières et elle dit « En 1976, la milice Khmer Rouge nous a répartis par groupe et par force physique. Ma famille, comme celle des autres, s'est retrouvée séparée. On était 7 dans la famille, mon père, ma mère, moi-même, ma petite sœur, ma nièce, mon fils et ma fille. Mes deux enfants se sont retrouvés dans l'unité des enfants. Ma nièce est restée avec sa grand-mère. Moi, je suis allée dans l'unité de la tranche d'âge moyen. Ma sœur, Tep Pik, était dans l'unité itinérante. » Je vais maintenant évoquer la déclaration de parti civil D22/2903, ERN 00779607 en français, ERN en anglais 00779607-05-06. Et en khmer, ERN 00-55-83-51. Cette partie civile évoque les repas collectifs et elle indique « Début 1976, nous n'avons pas été autorisés à manger chez nous, c'est-à-dire que le peu de vivres qui restait et d'autres objets courants ont été perquisitionnés par l'ANCAR pour les mettre tous en collectivité dans la coopérative. Les propriétés privées n'étaient plus autorisées, nous étions ordonnés de manger en commun dans la même salle de cuisine.
ci grand bay te bay je vais évoquer maintenant la partie civile D22/3765 ERN en français 00892710 anglais 00892762 et Khmer 00875009. Cette partie civile évoque également le discours des Khmer Rouges sur la collectivité. Elle indique, ouvrez les guillemets, les Khmer Rouges nous ont installés dans ce village situé dans la forêt et nous ont ordonné de construire notre cabane nous-mêmes. Nous avons été alimentés en collectivité et personne n'était autorisé à manger seul. Ils nous ont réparti des travaux aux hommes, aux femmes, aux personnes âgées et aux enfants, tous mélangés, de l'aube jusqu'au soir, jusqu'à 22 heures, avant de nous permettre de nous reposer. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22/524, qui se trouvait à l'époque à Battambang, et qui elle aussi évoque la division de la famille. ERN en français 00897129 en anglais 00890599 et en khmer 00496952. Je ne vais pas lire l'extrait, un extrait de cette partie civile, j'indique qu'elle explique simplement que les Khmer Rouges ont imposé une division des familles et une séparation de ces familles. Enfin, dernier document sur les coopératives et camps de travail, je vais évoquer la partie civile D22/836 qui se trouvait à l'époque dans la région de Kandal, ERN 00860969, anglais 00893532 et Khmer 00504601. Cette partie civile dit ceci, je cite, nous étions paysans, les soldats Khmer Rouges ont confisqué les biens des habitants chez eux afin de les remettre au collectif. Ils ont ordonné à tout le monde de s'habiller en noir. J'ai terminé avec cette politique et je voudrais maintenant passer à la politique de rééducation concernant la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis. Là encore, je vais m'attacher à m'arrêter à chacun des éléments déterminants, des objectifs de ces politiques, tels qu'ils ont d'ores et déjà été évoqués par messieurs les procureurs. Je voudrais d'abord évoquer la partie civile D22/1557, ERN en français 00905218, en anglais 00888 498 et Khmer
00 53 03 9 1 et 9 2. Cette partie civile dit ceci. Nous devions dire si, auparavant, nous étions fonctionnaires, membres de l'armée ou étudiants. Ils nous ont dit de dire toute la vérité. Alors, nous pourrions retourner à notre ancien poste. Cette réunion a été présidée par le dénommé Bin. Mon beau-frère, Lee Eng, a avoué qu'il était soldat dans l'armée de Lon Nol. Les personnes ayant dévoilé leur passé ont été envoyées à la rééducation pour aider à construire le pays et ils ont depuis disparu. Un peu plus loin, cette partie civile dit ceci. Un ou deux mois après la mort de ma petite sœur au début de l'année 1976, en fait, l'ANCAR nous a demandé pour la deuxième fois de révéler notre ancienne profession. Si nous disions la vérité, elle nous enverrait suivre une formation pour développer le pays. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22/2896, ERN 00807-149 en français. En anglais, 00-7-9-3-3-6-3. Et en Khmer, 00-55-8-2-3-3. Cette partie civile dit ceci. Le 17 avril 1975, comme tout le monde le sait, c'est le jour de la victoire des forces armées Khmer Rouge sur le régime du maréchal Lon Nol. Par la suite, ils ont appliqué une politique de division et d'évacuation de la population. Elle a été divisée en plusieurs groupes. Celui du peuple du 17 avril d'un côté et celui des fonctionnaires du régime de Lon Nol de l'autre. Ils questionnaient ces derniers sur leurs anciens postes en leur promettant de les réintégrer dans les mêmes postes et fonctions. Alors, les gens qui souhaitaient avoir du travail exagéraient leurs responsabilités en répondant qu'ils travaillaient dans tel ou tel ministère. L'interrogatoire terminé, les Khmer Rouges les envoyaient à la mort, prétextant qu'on les envoyait en rééducation complémentaire. Le mot « rééducation » était vraiment synonyme d'exécution. Il s'agissait de la première étape de leur projet. Pour l'étape suivante, ils ont procédé à des purges contre le peuple du 17 avril. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22/2896, ERN 00 84 9 8 89 3 0 et Khmer 00 49 9 8 7 3. Je ne vais pas lire d'extrait de cette partie civile, j'indique simplement que cette partie civile fait état de l'existence de la politique de création de centres de sécurité à travers le Cambodge à l'époque.
Je vais maintenant passer, toujours dans le cadre de la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis, à un autre thème qui est celui de la définition de la notion d'ennemi, telle qu'elle a déjà été évoquée par messieurs les coprocureurs. Et je vais évoquer la partie civile D-277/6, ERN en français 00-42-64-11, anglais 00-37-73-69, Khmer 00-37-55-25. Cette partie civile dit ceci, je cite, « J'ai pu voir quantité de gens se faire arrêter. On nous a dit que ces gens-là ont été envoyés pour se faire rééduquer, se faire corrigé. Pourtant, nous ne les avons jamais vus revenir. Nous savions alors qu'être envoyé se faire rééduquer et se faire corriger voulait simplement dire qu'on est emmené pour se faire exécuter. Les habitants ont été arrêtés s'ils ont volé de la nourriture ou bien s'ils avaient une mauvaise biographie qui, en d'autres termes, voulait dire qu'ils ont eu le statut de fonctionnaire dans la société précédente. J'évoque maintenant la partie civile D22/452 qui se trouvait dans la région de Kratier. À cette époque, ERN en français 00-81-32-23, anglais 00-81-86-04 et Khmer 00-49-59-78. Cette partie civile dit ceci, je cite, « Pendant les heures du travail, les miliciens nous observaient constamment. Si on disait quelque chose d'inapproprié, on serait appelé à une rééducation. Le simple fait de dire qu'on était fatigué était également condamné. » Et un peu plus loin, cette partie civile ajoute, je cite, pendant la nuit, on devait monter la garde et poser des barrages pour se protéger contre les ennemis. On n'était pas armés et on n'avait qu'un couteau et une hache. Pendant la garde de nuit, nous restions toujours sous la surveillance des miliciens chargés de veiller à ce que nous utilisions de discours corrects et que nous soyons vigilants et attentifs. On devait être responsable de toute négligence survenue lors du tour de notre respectif groupe et on risquait également d'être accusé d'être complice de la CIA. Ainsi, tant mon groupe que les autres ont resté toujours vigilants et n'osaient pas dormir. Le chef de groupe est venu tous les trois jours pour surveiller si on avait bien exécuté le travail conformément au plan de travail ou non. Je vais citer maintenant la partie civile D22/3744, ERN 00-89-10-77 en français,
En anglais, 00-88-96-76 et en Khmer, 00-87-54-43. Cette partie civile dit ceci: les communistes nous menaçaient sans arrêt parce qu'ils avaient l'intention d'exécuter tous les membres du peuple nouveau sous ce régime. Précisément, ils ont dit, de point, ouvrez les guillemets, si on te garde, aucun gain, si on t'extirpe, aucune perte. Fermez les guillemets. En accusant le peuple nouveau d'avoir exploité leur travail, ils voulaient donc l'exterminer. Je vais citer maintenant la partie civile D22/32, ERN en français 00-89-98, anglais 00-33-22-19 et Khmer 00-27-97-5-2. Je cite ce passage non pas pour la mise en œuvre de la politique, mais pour les termes utilisés pour définir les ennemis. Et la partie civile dit ceci: plus tard, au cours de la même année 78, mon père vola des gruaux destinés aux cochons afin de nous donner à manger à moi et ma mère. Le jour où il s'est fait prendre, il a été renvoyé dans un camp de rééducation. Je cite pour les mêmes raisons la partie civile D22/3765 qui évoque aussi le vol comme déterminant la qualité d'ennemi. ERN 00-89-271-11 en français, en anglais 00-89-27-63 et en Khmer 00-87-50-10. Et cette partie civile dit ceci: quant aux autres Khmers, j'ai vu les Khmers rouges les emmener pour les exécuter sans merci, alors qu'ils avaient juste volé un tube de bambou rempli à moitié de jus de palme, ou un nid d'œufs de poule, ou encore un coq. Certains étaient accusés d'avoir enlevé discrètement des grains de riz pour en faire cuire et en manger. Je tiens à préciser que deux de mes fils ont été exécutés parce qu'ils avaient volé un peu de nourriture pour calmer leur faim. Enfin, et en dernier sur ce sujet de la définition des ennemis, je voudrais citer la partie civile D22/1644, ERN 00-89-51-89 en français, en anglais 00-89-12-50 et en Khmer 00-532-3-4-9. Là encore, il est question de vol et la partie civile dit ceci: un de mes neveux, Tep Kruon, d'une unité itinérante d'enfants, fils de Tep Chim et de Yem, a volé une des poules qu'il devait élever. Les autres enfants l'ont dénoncé. La milice l'a emmené dans un centre de rééducation ou de détention. Je voudrais maintenant évoquer un autre sujet
toujours dans le cadre de la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis. C'est le thème défini par cette politique de l'identification, des méthodes d'identification de ces ennemis au sein des coopératives. Le premier document que je vais citer est le document D22/2068. Je vais, et je vous prie de m'en excuser par avance, le citer en anglais, car il n'y a pas de traduction française pour le moment. Le RN anglais est le 00-89-33-83 et Khmer 00-54-45-60. Et cette partie civile dit ceci, en anglais donc. Those Khmer Rouge soldiers were very good at investigating. They went around asking and searching for those citizens who were doctors, teachers, soldiers, military personnel or professors, and then killed them and their whole families. I knew that my husband's biography could not be concealed forever. Je voudrais maintenant citer la partie civile D22/1414 qui se trouvait à Pursat pendant le régime Khmer Rouge. ERN en français 00-89-39-60, anglais 00-89-12-35 et Khmer 00-52-81-33. Et cette partie civile dit ceci, je cite, « Ils ont été régulièrement espionnés par les petits soldats espions. Ma famille était aussi considérée comme des gens du 17 avril. Mes parents étaient espionnés dès qu'ils faisaient un pas. Ils ont demandé à mes petits frères et sœurs ce que faisaient nos parents, leur disant que s'ils le leur disaient, nos parents auraient un poste important. Ils étaient doués pour espionner. Les personnes âgées ou les jeunes, peu importe, étaient tous piégés par leurs ruses. Par exemple, ils ont fait campagne en disant que tous ceux qui étaient commerçants, soldats, professeurs ou tous ceux qu'ils considéraient comme tels pourraient retourner travailler dans leur ancien lieu de travail. Ces gens leur ont alors raconté ce qu'ils avaient fait comme métier. Ils ont donc été transportés dans plusieurs véhicules pour partir. Je vais maintenant évoquer la partie civile D22/3772 qui se trouvait à ce moment-là à Kratier, puis à Kampong Cham. Le RN en français 00-84-60-54, en anglais 00-56-99-22-23 et Khmer 00-86-39-60-61. Et cette partie civile dit ceci. Au bout d'un mois, j'ai cependant été épinglé en tant
qu'anticommuniste. Et l'on m'a averti que je serais envoyé dans les montagnes pour être éduqué à propos du communisme. Un peu plus loin, cette partie civile dit ceci. Après notre arrivée à Kampong Cham, ils ont organisé un immense rassemblement de 2000 personnes. Ils voulaient que l'on ait la foi dans l'Angkar, que l'on travaille dur au service de l'Angkar, que nous renoncions à tout égoïsme et que nous fassions preuve de plus d'humilité. Et enfin, un peu plus loin, cette partie civile dit, deux fois par an, il nous demandait de raconter notre histoire au chef du village afin d'être sûr que personne ne mente. Il arrivait qu'ils accusent certains de mentir pour peu qu'ils ne les aiment pas. Cela, on venait les chercher la nuit, on ne les revoyait jamais. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22/328, VRN en français 00908649, anglais 00806449 2 et Khmer 00484 47 26. Cette partie civile dit ceci. Plus tard, les Khmer Rouges ont convié certaines personnes à une assemblée pour écouter le rapport de ce qu'ils avaient fait. Le camarade Chim, le chef du village, a dit, lors de cette assemblée, les personnes arrêtées précédemment faisaient de la résistance. Ouvrez la parenthèse, je ne sais pas à qui ils s'opposaient. Fermez la parenthèse. C'est la raison pour laquelle nous devions les éliminer et vous devez tous être prudents à l'avenir. Si quelqu'un ose s'opposer à nous, il sera exécuté comme ses ennemis. Je vais citer maintenant la partie D22/1836. Encore une fois, je vais citer en anglais et je m'en excuse encore, car il n'y a pas pour le moment de version française. Cette partie civile se trouvait à Kampong Cham au moment de cette déclaration. ERN en anglais 00-83-48-48-48, en Khmer 00-57-90-44. Cette partie civile indique ceci. En anglais. Then, in 1977, the Khmer Rouge accused me of being the former civil servant federalist. They did my biography and sent me and my family to Mondulkiri. Je vais maintenant évoquer la partie civile D217/3. C'est un procès-verbal d'instruction devant les juges d'instruction. ERN en français 00-37-20-52-53. En anglais, 00-35-37-02, puis 04, et en Khmer,
00 34 94 97 97, puis 34 95 00. Il y a deux extraits. Je cite. Une question est posée à cette partie civile. Question. Les dirigeants Khmer Rouge dans votre village ont-ils déjà commencé à conduire l'interrogatoire et à arrêter les gens? Ont-ils assigné des travaux durs aux habitants? Ont-ils respecté les droits des habitants? Et la partie civile répond: à l'époque, les Khmer Rouges n'ont pas infligé de mauvais traitements aux habitants. Ils ont dit aux habitants qui avaient travaillé pour le régime de Lon Nol et à tous les instruits de se présenter. Ceux qui s'étaient présentés ont été emmenés pour rééducation. Le deuxième extrait de cet interrogatoire de partie civile, dont j'ai déjà donné les ORN, est à propos des réunions d'autocritique. Une question est posée à la partie civile. Avez-vous jamais assisté à une réunion autocritique? Réponse. Il y avait des réunions autocritiques pendant lesquelles les habitants rapportaient au Khmer Rouge ceux qui étaient paresseux pour travailler. Si l'on a déjà dénoncé quelqu'un pour deux fois et que ce dernier n'a pas changé de comportement, les Khmer Rouges l'emmèneraient pour exécution. Je vais maintenant aborder un autre élément déterminant de cette politique, qui est le fait que cette politique de rééducation des mauvais éléments et d'élimination des ennemis s'appliquait également aux proches de la famille. Je vais citer la partie civile Il n'y a donc pas de RN en français pour le moment. Cette partie civile dit ceci. In 1977, I was removed from the community and placed in a work site where the relatives of the traitors work. The work site was far from the community. Je vais citer maintenant la partie civile D22/342, ERN en français 00 9 2 0 5 6 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
Je vais maintenant citer la partie civile E3/3963, ERN en français 00-33-38-81, anglais 00-24-22-51, Ekmer 00-98-84-00-1-9-8-4-00. Cette partie civile dit ceci. C'était une prison sans murs. Là-bas, il n'y avait que des femmes de soldats et des peuples nouveaux où, ouvrez les guillemets, les gens du 17 avril, fermez les guillemets, à qui on ne donnait à manger que de la bouillie de riz mélangée avec des nénuphars. Je vais citer maintenant la partie civile D22/3461 qui évoque à la fois les familles de soldats de Lonnol ou des fonctionnaires de Lonnol et la famille elle-même. Cette partie civile ERN en français 00-85-90-55, anglais 00-85-65-22, Ekmer 00-56-63-93. Cette partie civile dit ceci. 7 jours plus tard, les Khmers rouges ont découvert que mon mari était un soldat de l'ancien régime. Ils sont alors venus m'arrêter. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec la politique Je vais maintenant appliquer au groupe spécifique au fur et à mesure. Il me reste à évoquer deux politiques. Je ne sais pas si je peux terminer cet après-midi. បាទអរគុណហើយឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលសំត្របសម្រាប់ដែរហើយខ្ញុំប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3:15 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចចំណាយការសម្រាប់ការសម្រាប់ចុះ